passe? Voilà, j'ai un instituteur remplaçant cette semaine et je suis sûre que c'est une sorte de grand méchant. Alors je vais faire entrer Hamster en cachette en tant que mascotte de la classe en renfort au cas où l'instituteur tenterait quelque chose de louche. Quoi? Mais qu'est-ce qui te fait penser que ce type est méchant? Oh, c'est tellement évident! Il a une espèce de demi-barbe diabolique. Tu veux dire un bouc? C'est ça, un bouc! En plus, j'ai une de mes intuitions héroïques. La dernière fois que t'as eu une intuition héroïque, on a dû acheter une nouvelle boîte aux lettres à Madame Greenberg. Tu ne me crois jamais! Je suis prudemment sceptique, mais reste sur tes gardes et essaie de ne rien faire fondre. Cette cage appartenait à la souris de notre classe, Skippy. Et qu'est-ce qui est arrivé à la souris? C'est sans importance. Salut, toi! Gretel, c'est bien ça? Peut-être! Peut-être pas. Pourquoi toutes ces questions, Monsieur Schabner, si c'est bien votre vrai nom? Oui, ça l'est. C'est vous qui le dites. Attention à la porte. Gretel dirait que Freud est méchant à cause de sa barbe. Moi, c'est les rouflaquettes qui m'angoissent. T'as vu que je commençais à avoir de la barbe? Je suis peut-être un méchant. Regarde un peu. Tu parles de ce petit poil-là? C'est une barbe, elle est clairsemée, c'est tout. Un pré-dépilatoire, je peux m'en occuper. Non, si n'approche pas! Kevin, mon instituteur remplaçant va faire un truc méchant d'une minute à l'autre. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il fait, là? Rien du tout. Rien du tout? Exactement. Ah. Mais je sais qu'il va faire un truc, pourquoi tu veux pas me croire? Parce que tes intuitions ont détruit une boîte aux lettres, un gazebo et les voitures de trois voisins. Il faut que j'y aille. Raconte qu'est-ce qui est arrivé à ce gazebo. Bonjour les enfants, comme vous le savez déjà, je suis Monsieur Schabner. J'apprécie vraiment le temps que je passe avec vous tous et pour s'amuser aujourd'hui, je vais un peu m'écarter du programme. Écarter du programme? Quelles sont vos intentions, monsieur? Eh bien, Gretel, j'aimerais détendre l'atmosphère. Je vais avoir besoin d'un volontaire. Moi, choisissez-moi. Bailey, d'accord. Non. Oh, je suis super contente. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quel est ton sport préféré? Le saut à la perche. Quelque chose que tu pourrais faire dans cette pièce. Des jumping jacks. Parfait. Alors, toi, tu restes ici. Bailey va nous montrer comment faire des jumping jacks. À toi de jouer. Tout le monde se lève. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! Le système solaire allait tomber et t'écraser. Oui, on a de la chance que ce ne soit pas arrivé.